La mobilisation autour des forces de défense et de sécurité s'est faite à tous les niveaux. Hier, les membres de l'association des adeptes du prophète Mohamed ont prié pour la paix au Burkina et surtout pour nos FDS dans leur lutte quotidienne contre le terrorisme. Cheikh Abdulaziz Souré, le guide spirituel de l'association, a lancé un appel aux musulmans à faire en sorte que la paix l'emporte sur la terreur. Daouda Ouattara, Dramane Guéné. Un vendredi soir, pour implorer Allah, l'association des adeptes du prophète, avec à sa tête le cheikh Abdulaziz Souré, demande la paix et la prospérité pour le Burkina. Femmes, jeunes, hommes, tous dans la ferveur religieuse, les prières sont adressées aux forces de défense et de sécurité. Soutien total. Nous avons prié pour nos forces de défense et de sécurité à 9h du soir, qu'Allah les aide à bouter les terroristes hors de notre pays. Que Dieu préserve les forces de l'ordre et le Burkina du terrorisme. Nous prions aussi pour la santé et la prospérité pour les Burkinabés. Après quelques heures de lecture coranique, le guide spirituel lance un appel à tout musulman où qu'il soit de prier pour le Burkina et de propager la recommandation capitale de l'islam, la paix. Tous ces éléments réunis, le guide spirituel est convaincu, le bien va triompher du mal. Je suis sûr que nos prières sont exaucées, tout simplement parce que notre intention ici est très noble. Nous avons lu le Coran pour implorer Dieu afin qu'il s'éloigne de ces terroristes tout en sécurisant nos braves hommes de tenue. C'est une prière complète. Après les invocations, le cheikh Abdulaziz a fait immoler deux taureaux pour conjurer le mal, le terrorisme.